confinement peut être source d'angoisse et d'inquiétude. L'isolement et l'absence de contact, notamment avec ses camarades, peut engendrer des frustrations psycho-affectives chez le jeune. C'est pourquoi de retour en classe sera un moment privilégié dédié à l'accueil des élèves pour mieux définir le parcours de chacun. Mesdames Delporte-Ville, infirmières scolaires, ainsi que Madame Parsi, assistante sociale, assureront un accueil à partir du 18 mai de 8h30 à 17h. Les élèves de 6e et 5e présents dans l'établissement, ainsi que les élèves de 6e, 5e, 4e et 3e en confinement au domicile, mais qui le désirent, pourront se rendre au collège ou prendre contact via le numéro de téléphone au 03 21 40 58 56. Ils prendront contact avec la cellule d'écoute psychologique mise en place dans le collège. Pour la gestion d'un cas suspect, en cas de symptômes évocateurs, toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensations de fièvre, etc., avec ou sans fièvre, l'élève sera immédiatement isolé à l'infirmerie avec un masque dans l'attente d'un retour au domicile. L'infirmière scolaire aura un échange téléphonique avec le responsable légal après avoir pris systématiquement la température corporelle de l'élève à l'aide d'un thermomètre sans contact. Les parents seront invités à éviter tout contact au sein du foyer et à prendre attache auprès du médecin traitant afin de réaliser un test de dépistage du Covid-19. À la réception des résultats, les responsables légaux devront en informer l'infirmière scolaire. Après le départ de l'enfant, pris en charge par les parents, la pièce et le matériel seront entièrement désinfectés selon le protocole de nettoyage. Une information à destination des personnels et des parents d'élèves ayant pu entrer en contact avec l'enfant sera mise en place. Le chef d'établissement informera la direction académique des services départementaux du Pas-de-Calais ainsi que le conseil départemental.